Hello World, c'est en Auvergne que j'ai posé mes valises cette fois-ci. Je suis dans le village de Saint-Nectaire, au cœur de l'Auvergne. Dans ce documentaire, j'ai envie de vous faire découvrir la beauté de cette région. Que ce soit ses volcans, ses belles églises, il y a énormément de choses à voir ici. Alors comme souvent, let's go, c'est parti! Le village de Saint-Nectaire n'est pas seulement célèbre que pour son fromage. C'est l'un des villages les plus beaux de France, sans aucun doute. En débutant ma route ici, j'avais envie de vous faire découvrir cela, et notamment sa sublime église romane du XIIe siècle. L'un des lieux incontournables de l'Auvergne, c'est le Puy de Sancy. Donc là, je suis en train de grimper pour atteindre le sommet. Le Puy de Sancy est le point culminant du massif central, avec une hauteur de 1886 mètres d'altitude. Pour l'atteindre, il faut se rendre au pied de la station du Sancy et marcher, enfin plutôt monter, près de 3 heures. Paysage très vert, et vu à 360 degrés sur la vallée de Chaudefour, la chaîne des Puits, le Cantal, la Dordogne ou encore le Limousin. Le Puy de Sancy serait né il y a plus de 5 millions d'années, devenant le plus haut volcan de toute la France métropolitaine. En réalité, c'est un stratovolcan, c'est-à-dire un volcan qui a de longues périodes d'activité. Le Sancy, lui, a été actif près de 4 millions d'années, d'où le fait que l'on nomme comme cela. Il est désormais inactif depuis des centaines de milliers d'années, et il a laissé derrière lui un paysage incroyable. En parlant de stratovolcan, on en aperçoit un autre au sommet du Sancy. C'est le plomb du Cantal, qui appartient aussi à l'Auvergne. 80 km les séparent. On le nomme le volcan cantalien. Et il a la particularité d'être le plus grand stratovolcan d'Europe. Il se compose du puits Violent, du puits Marie ou encore du plomb du Cantal. Près de 2700 km² et il s'élève à 1855 mètres. D'altitude. Selon certains, il aura atteint des sommets proches des 4000 mètres d'altitude. En réalité, c'est un monstre. Et sur la carte, on le voit bien, un seul et unique volcan forme le volcan cantalien. Du haut du puits Marie, vous apercevrez une magnifique vue sur tout le Cantal et une partie de la Corrèze. L'Auvergne est une grande région séparée de 4 départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire. Je ne prends en compte que l'Auvergne et non pas la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette région, qui compte une énorme quantité de volcans, est un véritable musée volcanique à ciel ouvert. Dans chaque département, on retrouve cela. Les premiers volcans en Auvergne apparaissent il y a plus de 25 millions d'années du côté de la Limagne. C'est ici qu'apparaissent les premiers signes de volcanisme après une rencontre entre la plaque européenne et africaine qui font engendrer la formation des Alpes et de grosses failles qui font émerger les premiers volcans dans le massif central. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'apparaissent le massif du Cantal, du Mont d'Or ou encore du Velay. Toute la région a subi pendant des millions d'années énormément d'éruptions. Et le petit dernier, peut-être le plus connu, est apparu il y a près de 100 000 ans. On le nomme la chaîne des Puits.
La chaîne des puits est mondialement connue. Mais saviez-vous qu'elle ne faisait seulement que 50 km de long pour 5 km de large? Dans cette zone, on y retrouve près de 80 volcans, dont le plus connu, le puits de Dôme. La chaîne des puits est très jeune. Elle est constituée de volcans que l'on nomme des puits. Mais plus précisément, ce sont des volcans monogéniques, qui n'entrent en éruption qu'une seule fois. Le magma qui sommeille dans le volcan sort par une autre faille, ce qui explique pourquoi il y a tant de volcans autour du puits de Dôme et dans cette fameuse chaîne des puits. La nature a façonné littéralement la région, que cela soit dans le Cantal, les monts du Mont d'Or ou encore ici. L'Auvergne est une région spectaculaire et à part. Changement de décor. Voici la cathédrale catholique Notre-Dame de l'Assomption de Clermont-Ferrand, un véritable chef-d'œuvre du XIIIe siècle. Clermont-Ferrand est le chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, mais surtout la capitale historique de toute l'Auvergne. Une grande histoire entoure cette ville moderne et très agréable où vivre aujourd'hui. Au XIIIe siècle, deux villes rivales s'affrontent, Clermont et Montferrand. Avant finalement de s'unir pour devenir ce que l'on nomme aujourd'hui Clermont-Ferrand, une ville de plus de 140 000 habitants et près de 270 000 si l'on compte l'agglomération. Tout le long des routes auvergnates, vous trouverez des tonnes de petits villages à visiter, comme celui de Le Crest, petite cité paisible et magnifique. D'ici, vous pourrez profiter de la beauté du paysage du département du Puy-de-Dôme. Le village de Montpérou, classé dans les plus beaux villages de France, est aussi à ne pas louper. Un véritable village médiéval. Les villages en Auvergne, c'est une grande histoire. Ils sont très appréciés des Français tout le long de l'année. Et l'été, car ce sont de véritables havres de paix. Dans le Cantal, l'un des plus connus, c'est le village de Salers. Là aussi, on y trouve un fromage très connu, mais on y trouve aussi un village qui vous en mettra plein la rétine. Village de France et le plus beau village du Cantal. Ce qu'il faut savoir avec Salers, c'est que les maisons sont fabriquées avec des pierres volcaniques. C'est juste magnifique. Ce village au style cantalien de la Renaissance, entièrement fabriqué avec de la roche volcanique, est une véritable œuvre d'art. Construit à l'époque par des bourges qui occupaient le village, puis fortifié pour éviter les pillages,
il est aujourd'hui de notre époque le plus beau village du Cantal. À mon humble avis, il est sans doute le plus beau village de toute l'Auvergne. Il reste encore pas mal de choses à explorer dans le Cantal. Direction la cascade de Biaggen, on va voir ce que cela donne. Les cascades dans la région, c'est assez commun, comme celle de Salins, toujours dans le Cantal. La plus connue est sans doute celle du Mont d'Or, nommée la Grande Cascade. Le Mont d'Or n'est pas connu uniquement pour être proche du Sancy. Il doit sa renommée à sa station de ski l'hiver, une des plus connues de toute l'Auvergne. Rien à voir avec les Alpes ou encore les Pyrénées. Dans la région, vous retrouverez tout de même près de 180 km de pistes skiables. 80 remontées mécaniques. Hormis le Mont d'Or, la station du Lioran ou encore de Superbès sont très populaires. Vous l'avez sans doute compris, l'Auvergne est une région avec énormément de diversité et une grande histoire. Un patrimoine très important. Et d'ailleurs dans le département de la Haute-Loire, se trouve la fameuse ville du Puy-en-Velay. Cette superbe ville ressemble à un village médiéval animé de toutes parts, notamment avec sa très populaire fête du Puy de Lumière qui a lieu entre juillet et septembre chaque année. Un véritable spectacle qui attire énormément de monde. Le Puy-en-Velay est aussi très connu pour être un passage très important du GR65, mais c'est surtout le point de départ historique du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui fait escale dans le Pays Basque jusqu'en Espagne. Près de 30 000 pèlerins chaque année l'effectuent. Voilà le Puy-en-Velay, c'est ça. Superbe site, superbe ville, super paysage. Pas mal de monuments aux alentours.
du haut de la statue Notre-Dame de France, avec un paysage complètement dantesque. Le puits prouve qu'il n'est pas un endroit comme les autres, rempli d'histoires et de nombreuses légendes. En Haute-Loire, il n'y a pas que la ville du Puy-en-Velay, il y a aussi certains coins magiques. Là, je suis à 30 minutes du Puy-en-Velay, à Champclaise, où il y a ce magnifique petit lac. L'Auvergne est une immense région, très riche en diversité, comme le prouve le département du Puy-en-Velay, et notamment la petite merveille du lac Bleu de Champclause, l'un des lieux les plus magiques de France et très bien préservé. La région est riche en paysages, mais aussi en gastronomie. Elle est notamment très connue pour la qualité de son fromage. Les plus connus sont le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne, le Salers ou encore le Cantal. Le Saint-Nectaire est sans doute l'un des plus populaires, mais il est aussi l'un des plus anciens. Fabriqué depuis plus de 5 siècles à l'époque de Louis XIV, il a traversé des générations. Le Bleu d'Auvergne lui aurait été créé dans les années 1800. Ses origines ne sont pas totalement claires. La plupart des fromages de la région possèdent l'appellation AOP, des produits qui ont entièrement été produits, élaborés dans une aire géographique déterminée, en mettant en œuvre le savoir-faire reconnu des producteurs locaux. Avant de conclure notre petite excursion dans le pays auvergnat, je voulais vous montrer un dernier endroit, la réserve naturelle de Chaux-de-Fours. La réserve de Chaux-de-Fours est l'une des trois vallées glaciaires du massif du Sancy, l'une des plus belles vallées d'Auvergne et de France. Un endroit calme et reposant, réputé pour sa flore alpine. Vous l'avez compris, l'Auvergne est une terre incroyable, une terre volcanique, en plus d'être une terre de fromage, un endroit à part dans ce pays. Et d'ailleurs, lors de votre passage, je vous défie de goûter les 5 fromages AOP de la région, comme vous goûterez les paysages et les valeurs de cette région emblématique de la France. L'Auvergne est une terre volcanique aux paysages intenses, une terre d'histoire, à la nature préservée. J'ai essayé de faire un maximum de choses dans le temps que j'avais. Mais voilà, entre villages, entre montagnes, volcans, il y a quand même énormément de choses à voir. Notamment le petit village de Salers, hein, qui est quand même l'un des plus beaux de France, qui était vraiment beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La suite au prochain épisode. Ciao !